Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment insérer un kiosque de notice dans un article. Alors pour cette démonstration, j'ai un article ici, notre sélection cuisine, et j'aimerais bien insérer un kiosque dans cet article avec des documents relatifs à la cuisine. Alors j'ai modifié l'article et dans l'éditeur, on a maintenant ce bouton insérer un kiosque de notice. Quand je clique dessus, je vais pouvoir définir un kiosque. Je retrouve les mêmes propriétés que la boîte kiosque classique. Alors, hop, notre sélection pour le titre. Je vais sélectionner un type de kiosque, par exemple une barre d'image horizontale et un domaine. Hop, cuisine. Voilà. Donc le kiosque est symbolisé par cette image. Je peux modifier le paramétrage en faisant un clic droit et modifier le kiosque de notice par exemple. Et ces paramètres se seront pris en compte. Et quand je valide mon article, Bokeh va automatiquement insérer un kiosque qui correspond au paramétrage que j'ai fait. Alors si je veux modifier ce contenu ou mettre d'autres kiosques. Par exemple, je peux tout à fait mettre deux kiosques dans le même article avec des paramétrages différents. Par exemple, ici, je vais mettre un cube. Voilà. Et Bokeh va rendre les deux kiosques dans l'article. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus si vous l'avez apprécié.